Amazon best-seller, ça te dit quelque chose? Comment obtenir le badge d'Amazon best-seller rapidement? C'est le but de cette vidéo. Je suis Charlotte, bienvenue sur Femmes Smart Online. Sur cette chaîne, pas uniquement réservée aux femmes. Je m'adresse aux femmes principalement parce que les femmes ont le plus besoin d'être boostées. Quoi de mieux qu'une femme qui peut être chez elle et gagner de l'argent? Mais si tu es un homme, tu peux rejoindre la famille Smart Online. Dans cette vidéo, je te montrerai comment tu peux obtenir le badge de meilleur vendeur sur Amazon. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le, active la cloche de notification. Surtout, chaque dimanche, à 15h GMT, regarde quelle heure il est dans ton fuseau horaire. À 15h GMT, tu vas pouvoir participer à la séance de formation qui a lieu directement sur YouTube, dans mon groupe privé sur Facebook, Femmes Smart Online. D'ailleurs, si tu n'as pas encore adhéré, je te conseille de le faire. Sans plus attendre, commençons. Le badge de meilleur vendeur best-seller sur Amazon est attribué en fonction des ventes. Pour pouvoir avoir ce badge, pas de magie. Il faut avoir le plus de ventes. Je ne parle pas de plus de ventes sur Amazon en général. Je ne te demande pas d'avoir le plus de ventes sur Amazon. Il te faut choisir une catégorie ou une sous-catégorie dans laquelle tu vas pouvoir te faire le plus de ventes. Donc, ce badge va être attribué en fonction des personnes dans une catégorie qui vendent le même produit et pour lesquelles le meilleur vendeur a ce badge. Tu le sais déjà certainement, il existe plusieurs catégories sur Amazon et un même produit peut être mis en vente sur plusieurs catégories. Comment obtenir concrètement ce badge de meilleur vendeur? Tu l'as un peu compris, il va falloir que tu fasses le plus de ventes. Pour faire le plus de ventes, je ne demande pas de faire... Certaines personnes font des publicités agressives. Certaines personnes donnent énormément de produits pour pouvoir faire comme s'ils vendaient. Certaines personnes utilisent des coupons de réduction, énormément de coupons de réduction. Ce n'est pas des stratégies que je te conseille forcément d'adopter. Pourquoi? Tu vas faire de la publicité agressive. Tu vas avoir des ventes et après, si tu n'as pas le bon listing, la bonne fiche de produit, si tu n'arrives pas à suivre ces ventes, ou tu vas faire des réductions, tu vas vendre ton produit super moins cher, mais après, si tu as le badge best-seller, mais après, si tu n'arrives pas à suivre ces ventes, ce badge sera donné à une autre personne. Une question et une chose que les gens oublient souvent, ce badge de meilleur vendeur est mis à jour chaque heure. Je dis bien chaque heure. Tu peux l'avoir tout de suite, l'heure d'après, une personne fait le plus de ventes que toi et ce badge, tu l'as enlevé. Bien sûr, lorsque tu arrives à être le best-seller, c'est assez difficile qu'après une heure, une autre personne vienne prendre ce badge. Mais si tes ventes diminuent considérablement après quelques jours, tu vas te retrouver sans ce badge de meilleur vendeur. C'est pourquoi je te propose deux solutions si tu veux avoir ce badge de meilleur vendeur de manière durable. La première des choses, c'est de savoir exactement dans quelle catégorie tu peux mettre en vente ton produit. Même si un produit peut être vendu sur des catégories différentes, un même produit peut être mis sur Amazon sur deux catégories différentes, il va falloir que tu choisisses la catégorie où il y a le moins de compétition. Ainsi, tu pourras faire plus facilement de ventes et pouvoir obtenir ce badge assez rapidement. La deuxième chose, le deuxième conseil que je te donnerai si tu veux avoir ce badge de meilleur vendeur rapidement, ça va être d'optimiser ta fiche de produit. Fais en sorte que la fiche de produit, les mots-clés que tu utilises renvoient directement à ton produit pour qu'Amazon puisse indexer ton produit assez facilement. Je sais, j'ai peut-être utilisé des thèmes que tu ne comprends pas. Ça, c'est la partie avancée d'Amazon. Si tu es débutant sur Amazon et tu voudrais savoir comment te former, regarde mon plan de formation sur www.farmsmartonline.com. Je suis là pour t'accompagner, je suis là pour t'aider. Et si tu es déjà lancé sur Amazon et que tu n'as pas besoin forcément de la formation complète, tu peux me contacter, prendre juste une heure de coaching privé, de séance privée avec moi pour pouvoir optimiser ta fiche de produit, pour booster tes ventes et te permettre de vendre beaucoup plus rapidement et d'avoir ce badge de best-seller. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Retrouve-moi dimanche 15h GMT comme tous les dimanches pour la formation gratuite. Et bien sûr, si tu ne t'es pas encore abonné, je ne dirai jamais assez, tu ne sais pas ce que tu manques. Alors clique, 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 abonne-toi, c'est gratuit, tu sais ça?
gratuit. À bientôt!